Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 27e épisode de notre Let's Play sur Phantom Hourglass sur DS. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pouvoir. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes dans la mer du Nord-Ouest, dans ce petit coin, il y avait deux trésors qui nous arguaient depuis un certain temps. On a enfin pu les récupérer. La dernière fois, on n'a pas été ultra productif, on a découvert l'île des Dalles, on a relevé le défi de l'île du Labyrinthe dans toutes les difficultés. Ça nous a pris tout l'épisode, on a pas mal failé, donc si vous voulez voir les fails, allez voir l'épisode précédent, vous allez voir, il y en a un. Ah, il est aux petits oignons, clairement il est aux petits oignons. Et aujourd'hui, on va faire le chemin qui nous sépare du prochain temple, temple que nous ferons demain. Avant d'aller plus loin, je rappelle bien sûr que vous pouvez me signaler les bombes épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, et hashtag fail et fail, plus ce moment exact que le résultat à la compile. Donc, ce que je vous propose de faire, ça va être très simple. On a un trésor qui est entre les espèces de formations rocheuses. On va le récupérer, et... Alors, je suis pas sûr... Je voulais aller enquêter vers l'île qui était protégée par un cyclone, mais je pense que s'il est protégé par un cyclone, il y a une bonne raison. Donc je pense qu'on peut aller voir l'île aux morts où on avait... on s'était arrêté vite fait hier. Voir s'il y a pas quelque chose qui nous permettra de passer, parce qu'à mon avis, à mon humble avis, la clé se cache peut-être sur cette île-là. Mais bon, aujourd'hui ce qui nous intéresse, déjà dans un premier temps, c'est d'aller récupérer le trésor qui est ici. Donc on se prépare... Récupération. Donc on va éviter d'esquinter la grue. On a toujours 3 points 10 sur 5. Là je vous le dis, on n'a plus besoin de rupies. De rubis, pardon. Puisque on a fait les derniers mini-jeux, il nous reste encore 2000. Là c'est vraiment si on a besoin d'acheter des munitions, d'acheter des réparations, ce genre de trucs. Franchement, hop hop hop, tu vas te calmer la mine là, s'il te plaise. Oh, ça l'a pas touché, nice. Allez hop, je récupère ceci. Et on remonte. On accélère. Allez, si on se met bien tout à gauche, on esquive les mines. Ouais, c'est bon, on a esquivé la première, les autres, ça devrait aller. Voilà. On se bouge tranquillou. C'est genre le mec qui dit, faut pas abîmer la mine, mais il remonte à vitesse max. Tout va très bien. Non mais le mec, quoi. Le mec! Et en plus de ça, il récupère le trésor first try, s'il vous plaise. Donc c'est probablement une pièce de bateau ou de la thune. Moi, je parierais sur une pièce de bateau, laquelle... Et nous avons la cabane tonneau. Ça fait très Donkey Kong. Bon, alors, je vais laisser l'île avec le cyclone pour l'instant. On va stepper... Le symbole qui est là-bas. Moi ça va, celui-là, il est pas capricieux contrairement à l'espèce de vecteur travail. Alors, vecteur travail, si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, c'est en physique, il y a la notion du travail qui est une force. Alors, me demandez pas les détails, j'ai un petit peu oublié ça de mes années lycée. Mais le travail était symbolisé par un vecteur W, W pour work, donc W avec une petite flèche au-dessus. Enfin, W avec une petite flèche au-dessus. C'est comme ça qu'on symbolisait les vecteurs. Alors, on surveille. Nope. Là, comme dirait Johnny, ça se cue. Hein. Toi, je te vois. Non, j'ai sauté trop tôt. C'est bon, il nous lâche. Excellent. Donc, il y aura probablement nos poteaux, les pirates, qui vont nous attendre. Ah. Ennemi en l'air. Ennemi en l'air. Vous pouvez nous filer des cœurs pour le bateau, s'il vous plaît? Ah, ça, ce serait cool. Bon, Marc, au pire, on s'amarre à l'île des morts et on est bon. Hein. J'en ai eu un! Vous voulez pas crever la gueule ouverte, les ennemis, s'il vous plaît? Merci. Ah, parce que voilà, il y a nos poteaux qui nous attendent. Ah, je bombarde, rien à foutre, je vais en mettre de partout. Ah, ça va être un film de cul. Après, on peut encore se perdre. Ah, j'ai dit, on pense pas à toi de deux coups, j'en ai déjà pris un. Bon. Le trésor qui laisse, on va pas aller le prendre. Parfait, plus qu'un. Quoi? Ah, oui, effectivement.
Alors là, il faut qu'on m'explique quelque chose. Si j'ai tracé cette route, ça veut dire que le jeu savait que la route était bonne, non? Alors pourquoi je me suis pris l'île comme un caca? Enfin, je sais pas, mais... Oh putain, l'autre... Oh putain, l'autre qui nous aborde. Mais vas-y, je veux juste aller sur une île, là. Vas-y, lâche-moi, pétasse. Hop. Vas-y, lâche l'affaire. Non. Tu m'auras pas. Eh, on est en train de la distancer, non? Tout doucement. Attends, il y a une torpille. Excellent, on a réussi à lâcher Jolene. C'est assez rare pour être souligné, ça. On a réussi à distancer Jolene. Ah, mais j'ai pas compris, en fait, pourquoi il a pas suivi la route que j'avais tracée, quoi. C'est ça, le problème. Là, encore une fois, on est d'accord. La route touche l'île. Donc, si je me prends le truc... Il y a un petit souci de code... Où... Remarque, attends. Je vais pas m'emmerder, hein. Voilà, on va le faire comme ça, plutôt. Ah non, mais sérieux, quoi. Se faire enchaîner comme ça, non, mais c'est... C'est contraire à la Convention de Genève, hein. Voilà. Moi, je veux juste accoster sur l'île, hein. C'est tout ce que je demande. Je veux juste garer mon bateau, sortir les clés et faire tut tut. Bon, nous y sommes. Alors, sur l'île, on a quand même plusieurs trucs à récupérer. Nous avons... Ouais, vous allez voir quelques petits trucs sympas. Eh ben, c'est parti, hein. Comment ça, j'ai 3 cœurs? Filez-moi des cœurs, t'as de boulet, là. Oh. Eh ben, vas-y, on va rentrer, hein. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Babou, sur ce bureau, un livre! Eh ben, lisons-le. Journal d'exploration de Mikni. Comme sur toute carte, le nord est en haut, le sud est en bas, l'est est à droite, etc. Mais en regardant la carte aujourd'hui, j'ai découvert le secret de cette île. Elle a la forme d'une tête ornée d'une couronne. La tête regarde vers l'est et il n'est pas difficile de voir les yeux et la bouche. Tout à fait. Je suis sûr que cette île renferme le secret du royaume Kayas. Je n'ai toujours pas trouvé le trésor supposé caché dans cette salle. Demain, je pense me rendre au temple situé au nord-est de l'île. Il est temps de prouver ce que j'ai écrit dans la gazette de Mumu. Je devrais trouver là-bas un énigme, un mécanisme secret. Mais avec mes sens d'explorateur aiguisé, j'aurais fini pour le goûter. Je trouverai la smaragdine et je leur montrerai à tous que j'avais raison. Smaragdine? Eh ben bon, tu penses que le minerai est sur cette île? Ça vaut le coup de chercher, il y a d'autres livres ouverts, lis-les. Je compte bien, je suis pas attendu. Hein. Gazette de Mumu, l'énigme d'une antique civilisation perdue. Volume 1, l'énigme de la civilisation du royaume Kayas. Dans les eaux du roi des mers brillait entre tous le civilisé royaume Kayas. Sa gloire n'avait nul égal jusqu'à ce que cette cité, sans E à la fin, merci, avec un seul, enfin, un seul E, voilà, disparaisse de l'histoire. Le royaume était gouverné en paix par le roi et ses 4 chevaliers. On dit que le temple de la cité renfermait de fabuleux trésors. D'accord. Volume 2. Trésor caché, la smaragdine. Ça vaut mieux que d'attraper la smaragdine, hein. Préférence aux plus vieux. Alors, parmi les 3 grands trésors cachés en ces mers se trouve la smaragdine. La légende dit qu'il s'agirait d'un minerai à nul autre pareil. Et l'on dit que le souverain du royaume Kayas l'aura en sa possession. D'accord. Gazette de... Ok, très bien, volume 3. Royaume perdu, où est passée l'île illusoire? Certains disent qu'il y a un trésor sur une île du royaume Kayas, mais personne n'a jamais vu l'île, seule la légende perdure. Cette île est maintenant appelée l'île illusoire. La preuve pour le royaume Kayas se trouve sur l'île des morts, où nous sommes d'ailleurs. Et volume 4, la petite île du royaume Kayas. Dans les eaux du royaume Kayas se trouve une île inconnue.
Merveille et étrangeté sont choses ordinaires dans ce royaume d'illusions. Très bien. Bon, on va continuer à explorer la grotte, hein, qu'est-ce que vous en dites? Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Attends, exploser le mur à l'ouest de la salle? C'est peut-être pas ici. Attends. Ah non! Attends, c'est peut-être. Je vais vérifier que j'ai pas noté n'importe quoi. Alors, ouais, non, c'est plus loin. C'est plus loin. Ok, très bien. Ah non, c'est effectivement ici. Attendez. Et, le mur, apparemment, ce serait. Ici, là. Mettons une bombe juste ici. Boum. Non, parce que regardez un petit. Alors, déjà, on a plein de roupies, donc faut qu'on avance doucement. Bon, après, les roupies, je m'en tape parce que j'ai pas besoin de dépenser mon argent. Donc, quelque part, je peux perdre ma thune, je n'en ai rien à cirer. Franchement, je m'en fous. Et honnêtement, je vous dis tout de suite, hein, si vous considérez ça comme des faits, je les mettrai pas dans la compile. Parce que ce que je fais là, au final, c'est volontaire. Alors là, nous trouvons un canon démon. Là, nous trouvons une carte au trésor. Là, nous trouvons une goutte de courage. Et là, nous trouvons une pièce de bateau. J'ai déjà vu celle-là il n'y a pas longtemps. Hein. Puis voilà, je veux dire, tout ce que j'ai perdu avec les roupires, bah, je le récupère ici, c'est pas un problème. Et voilà, cette petite salle qui va aller le détour, hein, quand même. Deux pièces de bateau, une goutte, et une carte au trésor. Voilà. Je me disais, c'est vrai que c'était pas ultra clair ce que j'avais noté, mais au moins ça, c'est récupéré. Ok, donc on a encore deux trucs à récupérer sur ces... Alors... Non, c'est pas grave. J'ai voulu donner un coup d'épée, mais bon, encore une fois... Hein. La reconnaissance des mouvements sur l'écran tactile par moment. Hein. Par moment, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Alors, c'est probablement aussi. Je veux dire. Attends. Non. Pédis la gueule. Par contre, est-ce que je pourrais avoir des cœurs dans l'herbe, s'il vous plaise? Oh punaise. Ah d'accord, vous voulez la jouer comme ça, les mecs, pas de problème. Allez, venez là. Moi, je vais vous tataner la gueule, vous allez apprécier. Bon, de toute façon, il avait parlé du temple nord-est, donc on va aller là. Ça a l'air d'être ici, hein. Qu'est-ce que j'avais noté? Ok, donc ça c'est bon. Il y a un truc avec l'appel, mais je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans, d'abord. Parce qu'au final, il a dit qu'il allait aller là-dedans. Bah, allons voir. Oh, carrément une musique de temple. Alors, qu'est-ce que ça dit? En ce temple repose Gary, quatrième chevalier du roi Kayas. En ce couloir spectral, celui qui ignore le chemin des six sages court à sa perte. D'accord. L'arbre sacré orne le menton du roi. Ouest 13, nord 7, on va noter. Alors avec les notations, donc du système. Le menton du roi, donc le menton, c'est ici. Alors je vais noter, donc. N7 comme le Normandie dans Mass Effect, bien sûr. Le chemin menant au cimetière des six sages du soleil se cache. Très bien. Donc, ça veut dire probablement... Ah, sans la pelle. On va aller voir ça. Le chemin des sages, il est là-bas, on va aller le voir. Donc 13, je pense que ça doit être genre le nombre de pas qu'on doit faire ou quelque chose comme ça. Ou peut-être s'il y a des dalles, on suit le nombre de dalles peut-être. Ah voilà, l'arbre qui ouvre le chemin, c'est cet arbre ici. Voilà. Donc ouest 13, donc on part d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on devrait creuser ici. Boum. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ici?
Donc on va commencer par faire péter le mur qui est devant nous, hein, je veux dire... C'est pas comme si c'était indiqué, hé, hey, fais-moi péter. Et bon, bah très bien. Je peux avoir des cœurs, s'il vous plaît. Non, parce que tant qu'on y est là-dedans... Alors déjà, on a une stèle, lisons-la. De l'œil du roi, tire une flèche vers l'ouest. Alors, de l'œil du roi... Ça, on va enlever. Donc, voilà. W, c'est pour l'ouest. Hein. Oh, des cœurs, vous êtes des vrais, les mecs. Vous êtes des poteaux. Parfait, je vous aime. Et là-dedans, on trouve une goutte de force. Boum! Alors, on va continuer à explorer un petit peu ce coin-là. Parce que finalement, on a juste une partie de la chose. Qu'est-ce qu'on a par ici? Vas-y, pète-y la gueule. Oh, des rochers. Bah forcément, c'est le royaume Kayas. Bah une Kayas, c'est un caillou, c'est un rocher. C'est aussi pour ça qu'il nous file plein de cœurs, je pense. Je vais pas casser la figure à la chauve-souris, merci. D'accord. Je passe tranquillement à base de tranquillade. Ok. Donc il disait de l'œil du roi tirer une flèche vers l'ouest. Donc il disait l'ouest et vers la gauche. Donc je vais peut-être équiper mon arc des fois qu'on en ait besoin. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce qu'on est au niveau de l'œil déjà? Ah c'est possible. Déjà on va ouvrir ce coffre. Une carte au trésor, bah ça tombe bien, on était venu pour récupérer ça. Et ce qui est bien, c'est que sur cette île, on a tous les trésors cachés pour l'instant. Alors attends, si ça c'est l'œil, il y a un interrupteur. Et là, on peut rentrer dans l'espèce de cimetière. Eh ben, allons voir. Allons voir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette stèle? Déjà, je suis en train de me dire, tout ce qui est toutes les notes là, j'en ai plus besoin. Genre le ouest 13, nord 7, c'est bon. L'œil flèche à l'ouest, c'est bon aussi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ici reposent les six sages pour qui le chemin du temple n'est pas inconnu. Le couloir spectral restera voilé à l'ignorant, d'accord? Très bien. Oh! Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Alors, est-ce que c'est un truc comme quoi, au hasard, les squelettes qui sortent d'une tombe, peut-être? Qu'est-ce que ça dit, ça? Je suis le premier sage. Dans la première salle, va au nord. Donc on va simplement mettre les flèches. Mais va au nord. Bah, faudrait que j'arrive à faire une vraie flèche, par contre. Hein. Voilà, donc nord. Très bien. Monsieur? Tu es le second sage. Dans la seconde salle, va à l'est. Ok, donc ça veut dire que le troisième devrait se trouver ici. Dans la troisième salle, va à l'est. Très bien. Donc nord, est, est. J'irai nord ensuite. Ok. Ensuite. Nord aussi, je suppose. Ok, très bien. Donc nord, est, est, nord, nord. Très bien. Et ici, Gary trouva le repos. Très bien. Donc du coup, les trois autres, je vais même pas les regarder parce que j'ai trouvé ce qu'il fallait. Eh ben, on va tester cette combinaison dedans. Donc, nord, est, est, nord, nord. Apparemment, Gary se trouve. Donc, on va aller au nord. C'est un truc façon bois perdu, j'imagine. Puis à l'est. Puis encore à l'est. Et ensuite, deux fois au nord. Une fois. Là, normalement, on devrait trouver Gary dans la prochaine salle. Ouais, ça a l'air d'être ça. Oh. Oh. En ces lieux reposent les morts du royaume Kayas, maintenant oubliés. Je suis Gary, le quatrième des chevaliers choisis par le roi. Avec toi, je sens les esprits de la force, de la sagesse et du courage.
Que font les trois esprits du roi des mers avec toi? Eh bien... Je ne peux croire ce qui est arrivé au roi des mers. C'est pour cette raison que tu cherches la smaragdine? Notre royaume a prospéré sous la protection du roi des mers. Nous ne pouvons rester impassibles devant ces maux. Nous devons agir. Notre roi Muto est en possession du minerai que tu cherches. Si tu lui présentes l'objectif de ta quête, il devrait accepter de te le confier. Va, passe la porte au fond. Ah oh bah j'y compte bien, je suis venu pour ça, cher monsieur. Ah, je vous assure que je suis venu pour ça, cher monsieur. Hein. Allez, on grimpe. Et là, nous trouvons... Un collier royal, ce mystérieux collier est orné de joyaux inconnus. Ah, c'est Gary. Le roi Muto, détenteur de la smaragdine, n'est pas en ces lieux. Il se trouve sur l'île gardée d'une muraille, l'île des ruines. Tu ne pourras l'atteindre sans le collier royal. Il calmera la tornade qui en garde l'entrée et te permettra d'accoster. Prends et trouve Tom, le troisième chevalier. Compris. Faut trouver Tom, le troisième chevalier. Bon après, moi j'ai ce que je suis venu chercher, donc... Quelque part, je peux me barrer maintenant. Hein. Il y aura probablement encore un puzzle sur l'île qui nous reste. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Allez, Lineback, on se casse. Direction la dernière île. Alors, juste que je regarde... Il doit nous rester donc, attends. À la limite, le trésor qui est près de Jolene, on ira le récupérer plus tard. On va faire les deux qui sont près de l'île où on doit aller. C'est parti. Et d'ailleurs, sur cette île, on a encore 3 trucs à trouver. Je vous en dis pas plus. Donc en gros, là, on a deux trésors à repêcher. Et 3 trucs à récupérer. Donc on va commencer par aller... Oh, attends. Il est un peu trop près des rochers à mon goût. Voilà, on va aller par ici. Parce qu'après, on va prendre les 2 trésors. Et on va accoster. Et comme ça, une fois qu'on aura terminé le donjon, on récupérera le trésor qui est le plus au nord. Et ce sera le moment de la dernière visite du temple du roi des... Alors, pendant qu'on navigue, je vais quand même vous dire que j'ai plus ou moins prévu, planifié... La fin du let's play, et je pense, je suis sûr à peu près 90%, que le let's play comptera un total de 31 épisodes. Il en restera encore 4 après celui-là. Et la raison pour laquelle j'ai fait 31 et pas 30, c'est tout simplement parce que je veux vous donner une petite semaine de plus avant qu'on s'attende. Concrètement, là, à la date où cet épisode sera publié, on est à un mois tout pile. De l'arrêt des let's play. Enfin, techniquement, ils vont s'arrêter un peu plus. Enfin, ils vont s'arrêter avant ça parce qu'encore une fois, il doit y avoir des trucs un peu plus spéciaux, entre guillemets. Quoi? Il y a une tornade, oui. Ah, puis la tornade. J'ai vu ça, babou, la tornade est disparue. Je suppose que sinon, sur le collier était vrai alors. Alors, ben justement, mon cher Lineback. Eh oh. Je peux faire une route, s'il vous plaît? Wow, non. Trésor. Du coup, je vais même vous dire un peu ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc, demain, épisode 28, on fait le dernier donjon. Ensuite, jeudi, épisode 29, on fait la dernière visite du temple du roi des mers. Ça va nous prendre un petit moment, mais on récupérera les derniers trucs. Épisode 30, on n'ira pas affronter le boss de fin tout de suite. On ira récupérer les derniers trucs qui nous manquent. Ce sera notamment... Deux cartes au trésor. Enfin, comment dire, on aura les deux, on aura les trésors que nous indiquent les deux dernières cartes au trésor. Et on ira améliorer les esprits au niveau 2. Et une fois qu'on aura fait ça, on prendra un moment pour vérifier qu'on remplit bien les conditions d'un 100%. Et on s'arrêtera. Et l'épisode 31, ce sera le boss final. Alors que vous voyez cette espèce de petit extra pour vérifier qu'on a bien tout. J'aurais pu ne pas le faire, mais je me dis, allez. On se fait un épisode bonus. Comme ça, ça nous permet de finir le lundi et pas le vendredi. Et comme vous savez que j'aime bien commencer mes séries le lundi, ben concrètement, une fois Phantom Hourglass terminé, il y aura un petit battement jusqu'au lundi suivant. Et ce sera donc le lundi 24 qu'on commencera la deuxième quête de Legend of Zelda.
Ça me laissera aussi le temps de préparer, bah, justement, d'enregistrer une intro, de me faire des petites notes, parce que, étrangement, cette Legend of Zelda, de base, je le connais pas bien. Alors, la deuxième quête, vous imaginez que je la connais pas du tout. Je l'ai faite une fois, il y a très très longtemps. Et c'est déjà Calamito à la base. Donc, en réalité, je vous laisse imaginer à quel point ça va être la mer noire. Voilà, je préfère dès maintenant vous prévenir. Comme ça, vous avez plus ou moins tout ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit. La deuxième quête de Legend of Zelda ne durera pas plus de 10 épisodes. Concrètement, ça va être la même structure que le let's play de base. Épisode 1, on récupère pas mal de rubis, on va acheter ce qu'on peut et on termine nos premiers donjons. Ensuite, les 8 épisodes suivants, c'est donjon plus ce qu'il faut pour atteindre le suivant. On fait ça pour les 8 donjons. Et le dernier épisode, bah, ce sera le donjon 9, on tatane Ganon et on a fini. Voilà, comme ça, vous avez plus ou moins vraiment un programme que je qualifierais d'intégral. Allez, dernier trésor qu'on va récupérer pour aujourd'hui. Et après, on va explorer cette ultime île. Et on va s'arrêter aux portes du temple. En fait, j'irai même carrément à l'entrée du temple. Comme ça, on se le fera dans l'épisode de demain. Juste vous imaginez s'ils avaient mis ça pour la récupération de trésors dans Wind Waker. Et dans Wind Waker, ils sont entre guillemets fâchés, il faut juste atteindre l'endroit. Utiliser le grappin riff, faut bien timer l'utilisation du grappin riff et c'est bon. Allez, sur la gauche. Voilà. Où sont les mines qui montent? Ouais, c'est bon. Les mines qui montent en horizontale, c'est bon. Voilà, on esquive bien comme ça. Ça va, les dernières récupérations de trésors, elles se sont pas trop mal passées. Genre, mais elles sont très bien passées. Et dites-vous qu'il ne nous reste plus que trois trésors à récupérer, enfin, deux cartes au trésor que nous n'avons pas encore et qui sont dans le temple du roi des mers. Et trois trésors à aller repêcher. Et là, on est vraiment pas mal. Et nous obtenons une écaille Zora. Ah, c'est un trésor cette fois-ci. Donc, si je regarde juste cette huquette, 29, on va tuer trésor récupéré, 18, 18, 18, ça m'a l'air bon. Oui, avec ce qu'on va récupérer, on sera même un petit peu plus. Allez, maintenant. On va accoster sur l'île des ruines. Ah là là. Et on a encore des choses à faire sur cette île. Ah, ça va pas être de tourpeau, c'est moi qui vous le dis. Mais après ça, enfin franchement, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment tout, quoi. Bah, techniquement, on n'a pas été récupérer le trésor qui est là-haut. On ira le récupérer après le donjon. Voilà, on bombarde l'île parce que c'est rien que des pimpons. C'est l'île des pimpons. Voilà. Et nous voici donc sur l'île des ruines. Alors vous voyez qu'il y a du chemin, hein, mine de rien. On a encore pas mal de choses à faire. Ah oui, l'accès au temple, il va y en avoir de partout. Eh bien, Archetti, je te dis, elle a pas l'air naturelle. Pas de doute, c'est bien ici le royaume Kayas. Eh ben, let's go, hein. Allez, on rentre. Alors, est-ce que j'ai noté quelque chose là-dedans? Non, pour l'instant, on n'a rien d'intéressant à récupérer. On va y avoir de la baston. Qu'est-ce qu'on affronte? Ah, c'est des guerriers Zora. J'ai besoin de mon boomerang, s'il vous plaît. Pas pardon, c'est un pimpon Zora. C'est un caca aussi. Hein. Ah oui, les guerriers Zora, c'est des cacas. Hein. Voilà le travail. Quelque chose d'autre à récupérer? Non. Eh ben très bien, on va traverser. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? À ceux qui ont le pouvoir, le chemin s'ouvre et la gloire guide leurs pas. Le chemin s'ouvre, on va donc pouvoir progresser plus loin dans l'île. Nous devons aller voir Tom, le troisième chevalier, c'est ça, non? Yes. Tom, le troisième chevalier. Vous pensez qu'il y a Jerry dans le coin aussi? Genre le deuxième chevalier. Pas de cœur, très bien. Pas de cœur non plus. Vous êtes un peu radin en cœur, les mecs, hein. Alors, là, on peut sauter. Ah, ça va être un petit dédale et on va y en avoir de partout. Alors, on va pas faire ça. Oui.
là je peux pas, donc selon toute logique, ce serait par ici. J'allais dire, ça sent le like. Et là que je te tatane le pimpon, toi. Ok, donc on a une stèle qu'on peut pas atteindre. Et ça vaut pas le coup d'aller par ici, très bien. Alors, le like, on va soigneusement l'esquiver. Attends, il y en a un autre là. Vas-y. Merde, je pensais arriver à le tataner. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien par là, très bien. Je dirais que la suite est sur la gauche. On fait gaffe si on voit des rubis. Ah d'accord, celui-là il était legit. Oh shit. Voilà. Crève à la gueule ouverte. Ok, on passe par là. Oh! Oh, oh, cet enchaînement c'était beau, il y en avait de partout. J'aimerais bien atteindre la zone qui est là. Non, je pense pas qu'on puisse y aller tout de suite. Donc on va rééquiper les bombes. Je pense qu'on peut passer par ici. Ça, c'est probablement un like. Même pas. Ok, bah on a traversé. Ça, c'est cool. Je peux avoir des cœurs, s'il vous plaît? Non, d'accord. Il y a une zone là qui est par... Attends, qu'est-ce que je veux dire? On est dans la partie nord-ouest. Revenir vers le premier pont après... Ah, d'accord. Il faut qu'on fasse un mécanisme. Parce qu'apparemment, là, il y a un truc qui nous intéresse. Très bien. Eh les skulls, vous êtes des squelettes! Ok, est-ce qu'on a vraiment rien d'intéressant par ici si je rentre par là? Par... Oh, attends. J'allais dire. Mais. T'as le droit de le taper sinon, hein. Voilà, couché. Jouer surtout des cœurs en vrai, les mecs, hein. Au pire, je claquerai une popo, puis ce sera pas trop un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Je peux grimper par ici ou je peux grimper par là? Qu'est-ce que ça fait si je vais par ici? J'ai un peu peur que ça me ramène au début. Donc, je vais plutôt aller voir la partie là-haut. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Allez, je continue par ici. Ok, faut qu'on esquive les rochers. Très bien. On grimpe là. On a réussi à prendre aucun rocher dans la tronche. En tout cas pour ce premier passage. Je sais pas s'il y a plusieurs passages. Ensuite on continue sur les hauteurs. Ça m'a l'air pas trop mal. Ah puis attends, avec là je vais atteindre un premier temple. Ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Temple de Tome, bah voilà! Ces ruines sont vraiment impressionnantes. Tu penses que le minerai est ici? Je sais pas. Alors récupérer la clé royale, nous sortirons le royaume de son soleil. Quel magnifique royaume. Bah oui, mais... Bon, écoute, je veux bien savoir... Je veux bien, hein. Oh, attends. Yup. Vous êtes dans le royaume Kayas, pays qui fut jadis englouti par les eaux. Je suis l'un des quatre chevaliers vassaux de notre roi. Je suis Tom, le troisième chevalier, et je protège le sceau de notre terre. Toi, porteur du collier royal, pourquoi fouler l'île où repose notre roi Muto? As-tu une affaire présente? Oui, je suis là pour eux. Ainsi, tu cherches minerai pour forger l'épée sacrée et vaincre une vile créature. Il est vrai que notre roi Muto était en possession d'un tel minerai. Mais un monstre a envahi son temple, brisant son sommeil. Sa colère gronde. Peux-tu pénétrer dans son temple, défaire le monstre et calmer la... Bah, je suis venu pour ça, bah bien sûr. Elt, deuxième chevalier qui dort dans le temple à l'est. Très bien. Tom, Elt, Gary. Alors, je pensais que vous allez leur donner des noms à la con, genre Bob, Patrick, Carlo et Gary, quoi. Bon, Monsieur Krabs aurait fait bizarre, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a ouvert comme chemin, le monsieur? Regarde ma boule là-bas! Ah! Merci, monsieur! C'est le chemin dont Tom a parlé. Tu penses qu'il nous mènera au deuxième chevalier? Bah, j'espère bien. Moi, je suis venu pour ça, hein. Donc là, on prend le pont qui est ici. Ok, on a des mini-blins. Bon, on va leur casser la figure.
Ok, donc là, bon, on va taper du mini-blin. Bah, je les appelle des mini-blin, mais ils ont peut-être un nom différent. Pédi la figure, voilà. Et qu'est-ce qu'on a par ici? Même pas, vous me filez des cœurs, bande de rats. Bon. On va continuer par là. Alors, qu'est-ce qui nous attend? D'accord. Bravo, mon cher Link. Tu es un caca. Qu'est-ce qu'il y a si je vais par ici? Ok. On va les esquiver. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Est-ce que j'ai noté quelque chose d'intéressant? Je suis en train d'explorer, mais je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant là. Non, on dirait pas. Là, c'est juste un chemin de retour. Ouais, c'est juste un chemin pour revenir vers l'autre endroit s'il y a besoin. Ok. Bon, au moins on explore, c'est bien. Et bon, nous, on doit aller dans le temple qui est à l'est. J'ai peut-être équipé mon arc vu ce qui nous attend. Genre, je me mets là. Allez, mec. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc là, maintenant, je continue quelque part. Ouais, par là, ça m'a l'air... Attends, grimpe, mon petit, grimpe. Là, on peut sauter. Parfait. Il faut qu'on survive, parce qu'il y a probablement... Voilà, c'est ça. Tombe bien dans le vide comme un caca. Et voici le temple de Helt. Je pense que c'est le temple de Helt en tout cas. Ah oui, oh, il y a carrément une map. Eh ben dis donc. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait ça chez Tom. Si jamais il a un frère jumeau, ça aurait pu faire Tom et Nana. Aïe. Voilà, là on contre bien. Pas... Merde. Je l'ai vu, hein. Vous pensez que j'aurais fait l'effort pour esquiver, mais non. Donnez-moi des cœurs, les mecs, s'il vous plaît. Non, vous voulez pas? Bon, bah moi, je grimpe, rien à taper. Allez, on ouvre la porte. Oh, yes, des cœurs. Oh, yes, sir. Salut. Je suis Helt, le deuxième chevalier. Je suis le protecteur de la clé qui garde la terre scellée. Je suis impressionné par ta capacité à surmonter les épreuves de ce temple. J'entraverai pas la route de celui qui cherche à ramener le roi au sommeil. Prends la clé royale. Yes! Prends cette clé et retourne voir Tom, le troisième chevalier. Ouais. C'est ce que je comptais faire de toute façon, t'inquiète pas. Je l'avais en tête, je me souviens de la serrure, hein, t'inquiète poteau. J'y étais il y a genre pas longtemps. Et du coup, on va avoir quelques trucs, là. Ah, faut pas qu'on oublie qu'il y a Jean-Michel, là. Voilà. Ah, ces poteaux, ils sont revenus. Bon, de toute façon, au pire, on trace. Ah, mais là, je trace, hein, rien à foutre. Par contre, filez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Bon, allez, les ennemis, je vais essayer de les ignorer. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà repéré ce chemin avant qu'on en ait besoin. Ça, c'est plutôt cool. C'est même très bien. Parce que de là, voilà, je reviens par ici. J'esquive bien tout ce petit monde. Et on va aller mettre la clé royale dans la serrure. J'adore Ciela qui me parle de la clé royale, mais à la patch, je n'ai pas trop ce que c'est. Allez, on la met. Oula, ça force de mettre le stylet comme ça, ça met le doigt tout rouge, dis donc. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça l'a fait. Alors... Oh, il n'y a plus d'eau! Grâce à la clé royale, le sceau fut brisé et la terre régénérée. Si le chemin apparu, il va rencontrer Cute, le premier chevalier. Je peux l'appeler Cute aussi, mais il n'appréciera pas qu'on dise qu'il est mignon. Oh, quoique. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Vas-y, je vais le faire. Hey Cute, t'es mignon. Non, je dis hey Cute, t'es kawaii, c'est encore mieux. Alors déjà, on a une première chose à faire maintenant qu'on a drainé l'eau. Incroyable! Regarde, Babou, la forme de l'île a changé!
Une bonne moitié de l'île est submergée, elle a refait surface. La terre a l'air praticable. On y va, Babou. Ah, écoute, Micheline. Moi, je veux bien aller. Mais laisse-moi 30 secondes. Parce que là, je vais aller récupérer un truc. Ah, tu vas voir, tu vas m'en donner... Merde. Ah, attends. Je sais comment j'y vais. J'y vais par là. Et là, je peux prendre cette espèce d'aller-retour comme ça. Parce que bon, là, maintenant, on a une espèce de labyrinthe. Je veux dire, c'est bon, on a fait le mini-jeu du labyrinthe. C'est pas un labyrinthe qui va nous résister, hein. C'est vrai que maintenant, je peux lire les stèles. Forcément. Voilà. Pète-lui bien sa figure. Non, parce que nous, ce qui nous intéresse, ça justement est d'aller par ici. Qu'est-ce que ça dit, ça? De moi, tout droit à l'est. Oh. Tout droit à l'est. Donc, on va mettre un truc comme ça. Tout commence et tout finit avec moi. Oh, shit. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse... Attends. Qu'est-ce que j'ai noté? Entrer dans la grotte. Revenir vers le premier pont après avoir drainé l'eau. Ah, la grotte qui est là-bas, je pense. Non, attends. Faut que je regarde c'est quoi le fuck. Alors. Ouais, j'ai fait du caca. Bon, heureusement, c'est du caca qui est facilement réparable. Top 10 des phrases que je me serais jamais imaginé prononcer. Du caca qui est facilement réparable. Attends, qu'est-ce que ça dit, ça? Trouve la stèle marquée de 5 étoiles et la clé du seau. D'accord. Je sens que c'est un épisode longue durée, ça, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? De moi, droit vers le sud-ouest. Ah, c'est 4 étoiles, merde. Je vais faire des flèches. 1, 4. D'accord. Quand les 5 étoiles sont reliées, le saut apparaîtra. Ah, merde. Donc, ça veut dire qu'il y a une stèle qui est quelque part par ici. Mais attends, de lui, droit vers l'est. Ça veut dire... Attends, si elles sont toutes dans ce labyrinthe, je pense savoir où est... Attends. Je vais faire un truc tout simple. Je vais mettre un 1 ici. Merde. D'accord, j'avais le doigt comme ça. 1. Et je vais mettre une flèche vers la droite. Je pense que la deuxième stèle, du coup... Merde. Je pense que la deuxième stèle, c'est peut-être pas celle-là. Mais... Tu me fais chier le like. Je réfléchis pour l'énigme. Voilà, crève. Ça c'est quoi? Mais grimpe, mon petit. Quand les 5 étoiles d'un trait seront reliées, le bonheur sera tien. Ah. Ah bah tiens, il y a une stèle là. C'est peut-être la stèle numéro 2, ça. Droit vers le sud. Ok. Très bien. Donc, droit vers le sud. Putain, les like, vous me faites chier, vous le savez, ça? Mais... Pourquoi sur certains, ça marche et d'autres, ça marche pas? C'est ce que j'aimerais comprendre. Voilà. Moi, je m'en fous de tes rubis. Ok, la troisième, c'est probablement celle-ci. Mais grimpe, mon petit. De 3 droit vers le nord-ouest. Ok. Donc ensuite, la 4, on l'avait plus ou moins repérée. C'est celle-ci, je pense. Ouais. Donc elle doit être vraiment dans le coin inférieur gauche du labyrinthe. Pareil qu'il y a encore au moins... Ah là, ça doit être celle-ci. De moi, droit vers le nord. Ok. Tout commence et tout finit avec moi. Donc ça fait un espèce... Ok, ça fait un espèce... Ok, je pense que j'ai le symbole. Alors je vais noter le symbole. Je ne sais pas s'il faut que je note sur la carte. Mais c'est un espèce de truc comme ça. Un truc comme ça, le symbole. Un espèce de bonnet d'âne inversé. Bon, alors maintenant, il faut que je sorte de ce labyrinthe parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais quelque part,
c'était pas tellement du nawak dans la mesure où ça m'a permis d'avoir l'info qu'il nous fallait. Ah, c'est une info dont on aura besoin, de toute façon. Par contre, comment je peux sortir de ce labyrinthe, s'il vous plaît? Je suis descendu, mais j'aimerais remonter. Oh, un trésor. Ah, mais une goutte de force. Attends. Je l'avais noté, cette gemme de... Attends. Elle est où, cette gemme de force, là? Ah, d'accord. Ben, cool. Cool. Mais c'est vachement bien, ça. J'ai noté complètement. Attends, qu'est-ce que j'ai noté, ça? Ah oui, ça j'ai noté, ouais, effectivement. Alors, bloup. Attends, j'ai noté quoi ensuite? Ah, parce qu'il y a plein de trucs en fait, en vrai. Hein. Et là, je cherche surtout à trouver le truc qui me permet de remonter. Il doit y avoir un truc qui me permet de remonter là, non? Oh putain, le like, tu me fais chier, je cherche une sortie, moi. Au pire, j'ai claqué ma popo s'il y a besoin. Ouais, parce qu'attends, deux là. Y'a pas un truc que je pourrais accrocher peut-être? Ah bah attends, je peux descendre par là. Voilà. Ça résout le problème. Alors. Non, c'est pas ici. Je dis que c'est pas ici. Donc, alors qu'est-ce que j'ai noté? Bon, déjà, il y a la grotte qui est apparue là-bas. Il va falloir qu'on y retourne en esquivant bien les rochers. Mais quelque part, c'était pas une... ce qu'on a fait, c'était pas une perte de temps. Bien au contraire. Dans la mesure où on a été récompensé par une gemme qu'on devait de toute façon récupérer. Voilà. C'est là-dedans qu'on va récupérer. C'est là-dedans qu'on va rentrer. Parce que là-dedans, on trouve une goutte de sagesse. Ok, donc ça c'est bon. On va quand même récupérer des cœurs tant qu'on y est. Ah, je vais quand même regarder un truc, parce que j'ai une note, là, tant que j'y suis. Voyons voir. Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semble. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? C'était ici. Voyons voir, c'était ça. Alors, de toute façon, on va... Oh, j'ai encore une note sur la map, là. Ça, parce que j'ai posé ma main sur le truc, quoi, sérieusement. Ah, enfin, bref. On sort de là. Et donc, là... je crois qu'il faut qu'on... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de là? Attends. Ah oui, d'accord, attends. Il faut que je reste sur la partie supérieure, là. Ah oui, mais celui-là, attends. Je vois pas du tout où je suis, en fait, c'est ça qui est génial. Bon, au pire, on va continuer. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Moi, je sais plus du tout où j'en suis avec ces conneries. Je sais plus du tout où j'en suis. En façon, on sait que le temple doré, c'est là où je dois aller. Allez, attendez. Il y a un temple, là, en bas, une pyramide où on n'est pas allé. Merde, le rocher, je l'avais pas vu. Par contre, je l'ai senti et il pique. Hein. Ah, croyez-moi, ça pique, il y en a de partout. Alors. Là, je vais rester à cette partie-là. Ah, attends, il y a un rocher, là. Je peux pas le pousser, ce rocher. Merde. Par contre, celui-là, je peux. Voilà, je suis par là. Je récupère ceci, tant qu'à faire. Et de là, bah, je pense que ce rocher-là, on va le pousser. Ah, et ça fait péter ce truc-là, ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Des cœurs, super. Bonjour. Voilà. Ah, attends, c'est ici que j'ai noté un truc, là? Ouais, c'est ici. Alors, celui-là, on va le pousser un cran en haut et un cran à droite. C'est ça? On continue encore et encore. Boum.
Et là, normalement, on devrait récupérer quelque chose de sympa. En allant voir par là. Et nous trouvons... la dernière goutte de sagesse, si on regarde. Nous avons les 20. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ben ça, on va le dégager. Oh, nice. Ah oui, d'accord, ok. On va le mettre dans l'autre sens, celui. Donc on va faire tac, tac, comme ça. Et on va le pousser vers le bas. Boum. Là, j'arrive dans cette zone-là. Et j'ai un interrupteur que je vais activer tout de suite. Et ça fait un pont vers le début, ça c'est pas mal. Et bah de là je pense que je... Alors je vais taper les ennemis avant d'oublier. Et puis je peux pas rentrer par là, je suis obligé de faire tout le tour. Et oui évidemment. Allez, je vous tape tous la figure. En fait c'est vraiment... Un... Je crois que j'ai l'impression que c'est un squelette sur deux qui est... qui va nous causer des... Enfin qui va se réanimer. Allez, on rentre là-dedans. Temple de Cute. Eh, hey, Cute, t'es kawaii. Allez, après, on va récupérer ça. Parfait, on est quasiment revenu à fond. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je suis Cute, le premier chevalier. Ainsi, un humain a pu briser le sceau. Si tu viens terrasser le monstre qui trouble le sommeil de notre roi, alors je peux t'accorder une audience. Toutefois, tu dois d'abord passer l'épreuve à laquelle je vais te soumettre. Alors dis-toi, bah, je suis venu pour ça, hein. Je vois, alors laisse-moi t'éclairer. Entrer dans le temple royal demande le sceau secret, clé de la porte du couloir. Et pour faire ce chemin, il te faut trouver le sceau par toi-même. Tu dois résoudre sur la celle dans le couloir. Ok. Quelque chose me dit que c'est le truc qu'on a récupéré avec les stèles tout à l'heure, hein, avec l'espèce de bonnet d'âne inversé. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Regarde la porte, c'est l'entrée du couloir qui mène au grand temple. Ouais, c'est ici. Mais on a encore des trucs à faire, hein, c'est ça le truc. Bon, au moins on va aller graver le symbole parce que je pense qu'on l'a. Je voudrais éviter d'oublier quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça dit ça? C'est donc ça la porte du couloir et c'est ça la stèle. Ouais. Donc, c'est... ce symbole-là qu'il faut faire. Voilà, là c'est ouvert. Mais il nous reste encore des trucs à récupérer. Bravo Babou, maintenant nous pouvons aller au grand temple. Alors du coup je note, ça c'est fait. Alors, il nous reste encore... Attends, qu'est-ce que j'ai... Attends, on en est à combien au niveau des gouttes? Faut que je regarde. 20, 18, 19... Bah, il nous reste encore une gemme de courage qu'on n'a pas récupérée. Donc on va, je vous propose qu'on aille récupérer la gemme de courage et après on rentre dans le temple et on s'arrêtera là. Ça fera un gros épisode pour aujourd'hui. Mais au moins on aura bien tout ratissé comme il faut. Alors, de toute façon je suis obligé de repartir par là. Donc là du coup le symbole j'en ai plus besoin, je peux l'enlever de la map. Alors apparemment de ce que j'en ai noté, il faut qu'on revienne... Donc on revienne vers le temple au nord-ouest. Voilà, donc on esquive bien tout ce petit monde. Je suis vraiment obligé de repasser par le... Par le labi. Bon, bah on va repasser par le labi, hein. Le problème, c'est qu'il y a de nouveau les like-like. J'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec les like-like, en fait, c'est ça. Attends, on en a un des deux, là. Non. Mais sérieusement! Allez, pète-lui sa figure là. Merci. Tu prends sa figure et tu la lui casses. Voilà, comme ça. Donc on remonte par ici. Alors, de ce que j'en ai noté, il faut qu'on prenne un pont qui a été mis par le premier chevalier qu'on allait voir, donc par Tom. Donc, on repasse par cette zone. Je pense que c'est le pont qui est tout en haut. Enfin, le pont qui est au-dessus de nous, quoi. Voilà. Et apparemment, il faut qu'on... Voilà, ce pont qui est ici.
Il faut qu'on reparte vers l'extrême est de l'île, donc probablement par ici. Ouais, voilà, c'est là. Et en fait, voilà, c'est ce coffre-là qu'il faut qu'on ouvre. Et on trouve un rubis vert. C'est pas ce trésor-là. C'est pas ce trésor-là, figurez-vous. Faudrait juste que j'arrive à remonter maintenant. Ah, faut que je refasse tout le tour, t'es sérieux? Bon, au moins on a trouvé 100 rubis de plus. C'est cool, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que ce coin-là? Ah, attends. J'ai loupé un truc plus bas là-bas. Eh, évidemment. Putain, moi qui pensais que ce serait un épisode pas trop long, bah finalement, on va taper un épisode pas trop long. Ouais, bon, pas trop long pendant une heure, quoi. Hein? Mais au moins, on aura bien tout ratissé le truc, on aura bien tout récupéré ce qu'il faut. Mais en plus, c'est vrai, j'étais passé par ici. Oui, voilà, c'était par là. Je peux remonter du bon côté, là, ou pas? Oh merde, je peux pas, je suis obligé de faire le tour. Oh, super. Super, super, tout ça parce que je me suis trompé d'un truc. Bon, après, l'avantage, c'est qu'après, une fois qu'on a fait ça, on revient vers... On revient vers l'autre pyramide, on rentre dans le grand temple et on est fini, et on a fini. Mais bon. Ah, je pensais pas que ce serait autant... Mais je peux même pas remonter? Je fais par où, alors? Oh, je suis obligé de refaire tout le tour, putain, t'es sérieux. Tout ça parce que je suis descendu au mauvais endroit, je suis... Mais putain, les boulets, là, vous êtes des... Mais vous êtes des boulets, les boulets! Mais vas-y! Tout ça parce que j'ai fait un mauvais mouvement, je suis obligé de tout refaire, quoi. Là, par contre, c'est chiant. Ah, en plus, je suis même obligé de refaire ça, quoi. Sérieux. Je suis même obligé de refaire ça, quoi. Allez, on fait le labyrinthe pour la 18e fois aujourd'hui. Non, c'est déjà pas, c'est pas assez relou comme ça. Mais ouais. Tout ça parce que je veux faire un 100% qu'il y a un truc que j'ai loupé, quoi. Vas-y. Lâchez-moi les squelettes, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas la motive. Là. Vous me faites chier. Toute votre île, elle me fait chier. Je comprends pourquoi vous êtes mort. Hein. Putain, c'est pas vrai. Ah, puis tu vas voir qu'en fait, rien que l'île, c'était le cadet de nos soucis. Après, tu vas voir que le reste, ça va être. À le temple, je sens qu'on va se marrer. Hein. Ah, je sens qu'on va rigoler, mais on va rire jaune surtout, ouais. Bon, il va falloir que j'ouvre là, parce que je sais pas du tout cette... Ah! Ah, c'est ce coffre-là. Voilà! Bon! Et ben maintenant, il nous reste plus qu'une chose à faire. Aller au temple. Aller au temple de ses morts. Pareil qu'il y a un lac-like dans le tas. Il n'y avait même pas de lac-like, figurez-vous. Attends. Je peux même pas descendre ici. Putain, pour une fois que je peux prendre un raccourci, vous êtes nuls, les gars. Bon, après l'avantage... Putain, non mais... c'est une vanne. Tout ce coin, c'est une vanne, sérieux. Non mais cet épisode entier, c'est une vanne, hein, clairement. Faut que je le pousse encore, ton rocher de ses morts. Ah non, ça va.
Ouais, bon bah finalement, je pensais à un épisode tranquille. Bon bah épisode tranquille d'une heure, hein. Youpi, joie, bonheur, félicité. Canard, coin coin, tout ça. Allez, on y est. Allez, on rentre. Vous mettez quoi, de la baston? Évidemment. Ça parce que je vais me placer derrière, évidemment. Ben voilà, on y est. Eh ben, il serait temps, hein, parce que bon, voilà quoi. Et nous y sommes. Le temple de Muto, dernier donjon du jeu. Allez, mesdames et messieurs les gens, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Phantom Hourglass. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant. Ça fera super plaisir. Pour en plus, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler à la chaîne autour de vous si vous en dites tout ça. Vous le savez, la petite cloche notification, ça fait plaisir. Les moments épiques, les fallait avec l'hashtag associé. Vous connaissez, vous pouvez en plus d'aller jeter un à la chaîne de VOD ainsi que la chaîne Twitch. Les liens sont tous en description. Et en attendant, la galère dans le dernier donjon. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir.